Salut Louis. Bonjour Mika. Alors on va déjà commencer par une question que se pose ou que se sont posées beaucoup de personnes, moi le premier. Dans Louis Ameka Otsanga, quel est le prénom et quel est le nom? Du coup le nom c'est Ameka Otsanga et le prénom c'est Louis. Voilà, au moins le mystère est résolu. Tu as 21 ans, tu es né à Libreville au Gabon. Raconte-nous tes premiers pas avec le football. Oui, j'ai 21 ans, je suis né à Libreville au Gabon. J'ai fait mes premiers pas dans un club du quartier qui s'appelle Académie des Glaces. J'ai eu la chance de faire mes premiers pas dans ce club. C'est un club qui était dans mon quartier. Notamment quand on jouait au quartier, il y avait un monsieur. C'est un monsieur, il s'appelle Massitou. Aujourd'hui, il a toujours son équipe avec ses jeunes. Et c'est là où j'ai fait mes débuts. C'était en 2004-2005. J'avais 7 ans, 8 ans. Et du coup, je fais, on va dire, 3-4 ans là-bas avant de rejoindre le CF Mounana. Donc après, c'est ça, tu as fait toute ta formation au centre de formation Mounana, qui est un club tout récent, puisqu'il a été créé en 2006. Et c'est un club qui est très, très vite devenu un club phare du Gabon. Oui. J'ai fait, après Académie, j'ai rejoint Mounana. J'ai rejoint Mounana qui est... un très grand club au Gabon qui est devenu un très grand club parce que c'est vrai que c'est un jeune club dans l'histoire du football gabonais mais qui est devenu un très grand club par rapport à ses ambitions du président du club et la structure qu'il a su mettre en place. Donc du coup j'ai fait le reste de ma formation là-bas au CF Mounana et j'ai fait mes classes, on va dire notamment des cadets, des U17, des U20, en fait, tout le reste de ma formation, je l'ai fait là-bas. Tu rejoins très vite l'équipe première, puisqu'en 2012-2013, tu fais déjà tes premières apparitions avec cette équipe-là, à l'âge de 16 ans. Plusieurs saisons, 3 titres de champion du Gabon. C'était difficile de rêver mieux comme début. C'était difficile de rêver mieux. J'ai fait mes débuts en 2012-2013, à 16 ans. J'ai fait des débuts très prometteurs. Notamment avec les titres que vous avez cités. J'ai eu 3 titres des champions, 2 super coupes, et non 2 coupes et une super coupe. Donc je ne rêvais pas mieux pour des débuts en division d'élite au Gabon. Tes prestations te permettent de devenir international puisque tu fais ta première sélection en mars 2017 au Havre en France, du coup contre la Guinée à 20 ans. C'est forcément pour toi un très bon souvenir. C'est un très bon souvenir, je ne m'attendais pas. J'ai fait mes débuts au Havre, aussi en France, contre la Guinée. Je ne m'attendais pas à cette première sélection. Et du coup, c'était un moment de bonheur parce que pour tout joueur, représenter son pays est quelque chose de grand. Alors aujourd'hui, tu comptes déjà 11 apparitions avec le Gabon à 21 ans. Une sélection qui vient tout juste de connaître un changement de sélectionneur, puisqu'il y a notamment l'arrivée de Pierre Aubame en sélectionneur et de Daniel Cousin en entraîneur adjoint, qui est un ancien joueur des Chamois. Oui. C'est Daniel Cousin et Pierre Aubame. C'est les nouveaux sélectionneurs du Gabon, notamment ma dernière sélection qui remonte à quelques jours. J'étais au Gabon et j'ai un peu parlé avec Daniel Cousin de son passage au Chamois. Il m'a un peu expliqué comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, moi je lui ai dit, j'étais fier faire partie de cette lignée de Gabonais qui ont joué au Chamois, et notamment avec ce grand attaquant qu'il a été. Alors vous êtes en pleine période de qualification pour la Coupe d'Afrique. Quels sont les objectifs avec la sélection? L'objectif premier, c'est de se qualifier pour la CAN au Cameroun en 2019. C'est vrai que là, on est sur une mauvaise phase, mais j'espère vite qu'on va changer la donne dans les prochains matchs à venir. Tu nous rejoins cet été au Chamois. Qu'est-ce qui t'a amené ici et à ta signature?
Déjà, je cherchais une porte de sortie. Je cherchais une porte de sortie et j'avais beaucoup des opportunités, notamment dans des pays maghrébins, en Afrique, et quelques pistes en Ligue 2 aussi en France, et notamment Lens et Lorient, mais qui me voulaient en test, qui voulaient m'observer encore un peu plus. Et les Chamois sont arrivés et ils m'ont proposé directement un contrat. Et ils m'ont convaincu en fait avec la moyenne d'âge qu'il y avait et le projet du club en fait. Donc ils m'ont convaincu et j'ai pas hésité à rejoindre les Chamois. Et aujourd'hui je suis très content de faire partie de cette famille. Tu n'avais jamais joué dans un club étranger au Gabon avant d'en arriver en France cet été. Comment se passe l'adaptation? C'est pas trop difficile? Ben, pour dire la vérité, c'est pas facile. C'est très difficile. Déjà, les conditions ne sont pas les mêmes. Et le climat, l'adaptation est très difficile. Mais ce qui est salentienne, je suis un battant. Je suis un combattant et je vais toujours me battre pour donner le meilleur de moi-même. Alors, tu es un milieu de terrain offensif qui peut éventuellement aussi jouer devant. Pour ceux qui te connaissent très peu, que dirais-tu de tes qualités? Déjà, ma qualité première, c'est la vitesse. Je suis quelqu'un qui va très vite. Et c'est vrai que j'ai pas de qualité de grand finisseur, mais j'ai la qualité des passeurs. C'est vrai que j'ai pas encore fait de réellement mes preuves, mais bon, je pense qu'avec le temps et avec le travail, je vais le faire. Pour réaliser un très bon début de saison avec tes coéquipiers, comment tu imagines la suite de cette édition 2018-2019 de Dominos League 2? Ouais. On fait des débuts très prometteurs. On a une très belle équipe qui vit bien. On a un vestiaire qui est tout le temps joyeux. Et je pense que c'est dû à ça que les résultats nous suivent. Parce qu'on est une belle équipe avec une moyenne d'âge très importante. C'est vrai qu'après on va dire non, l'expérience, tout ça. Mais bon, je pense pas que l'expérience tue le talent. Je pense qu'on est une équipe très talentueuse et qui a beaucoup à prouver encore. Dernière question, un petit peu traditionnelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi au niveau individuel et aussi au niveau collectif pour cette saison avec nous? Déjà, me souhaiter d'amener les Chamois vers le haut, au classement en général en fin de saison, et que on puisse faire la meilleure saison de l'histoire du club, et pourquoi pas titiller l'élite du football français. Eh bien c'est parfait, c'est tout ce qu'on te souhaite Louis, pardon, et puis on te dit à très bientôt. Ok, merci.